masterful victory. The Maxi Edmond de Rothschild led for most of the race to win the all-team category. On est assez content de cette course. We're happy. We didn't make any mistakes. The boat behaved well. Our confidence has grown day by day. We were looking forward to arriving here. Et puis après, avec l'avance, on avait hâte d'arriver le plus tôt possible, évidemment, quand on est devant. Frank Camas and Charles Cadrelier pointed the bows of their all-team towards Martinique's famous Diamond Rock and the finish line, although it wasn't entirely worry-free. J'ai juste eu du stress, effectivement. We had some stress, especially me yesterday. I get more nervous than Frank. He just stresses on the inside. The large crowd celebrated the two sailors. Between them, they've now won a total of 7 victories in the Transat Jacques Vabre. The Martinique moon shone on Primonial's last few tacks. Sébastien Rogue and Mathieu Subin were first to cross the line overnight to seal the Ocean 50 class. The race was intense. On avait, on l'a livré sur cette course. We gave it our all and it paid off. It's great. Donc, ouais, c'est génial. A few hours later, the Leroux-Macaire duo took second place with the satisfaction of a job well done. Une belle aventure, un beau bateau, un beau a great adventure, a great boat, a great race. I'm delighted. Moi, je suis ravi, je suis aux anges. At the end of the night, Leighton completed the podium in the 50-foot multi-hull category. In the Imoca class, the top three have broken away. Linked Out is expected in Martinique on Thursday. In the class 40, the fleet remains close. Redmond still leads. Allez, dimanche matin. Bon, c'est le week-end, mais pour nous, il y a encore du beau. Belle lumière. Ah, pas très vite. C'est beau. Pas mal. Bon Franck, on est dimanche. Les routages nous voient arriver. Arriver mardi j'espère. Mardi j'espère aussi. Ouais. Il reste 800 000. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent sur la fin, mais bon. Si on continue à avoir comme maintenant. C'est pas désagréable, à part la chaleur, c'est quand même des bons moments. Du tout là, et j'en profite pour répondre à une question qu'on nous pose souvent, surtout les enfants: qu'est-ce qu'on mange à bord du Maxi et de Edmond Rothschild? Ben, on a un problème sur les bateaux de course, c'est qu'on veut être léger et la nourriture c'est du poids, et on n'a pas de frigo aussi, parce qu'un frigo c'est lourd, ça consomme de l'énergie donc du poids aussi, et donc il faut trouver des plats qui tiennent longtemps, et ça ben, la solution c'est le plat lyophilisé. C'est quoi lyophilisé? Ben, c'est un peu comme la purée mousseline, c'est de la nourriture qui a été déshydratée et on met de l'eau dedans et ça se reconstitue. Et ça devient un plat à manger, un peu dégueulasse, faut le reconnaître. Malheureusement, nous, on est devenus lyophobes. On ne supporte plus le lyophilisé. On en a tellement mangé dans notre carrière. Et bah, nous, on a trouvé une solution miracle. On a trouvé deux cuisinières qui nous font des petits plats apertisés. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, d'abord, la cuisine. Voilà, c'est ça. Donc, la petite à droite pour faire chauffer de l'eau, pour faire des cafés, des soupes. Et la grosse à gauche pour faire chauffer plus d'eau, pour faire soit des pâtes, soit des plats apertisés qu'on met dedans directement et qu'on réchauffe. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est les trois sachets. Alors là, on a une des préférées, la sauce carbonara. Après, on rajoute des pâtes. Alors, on a chacun notre plat préféré. Moi, j'aime sucré salé, c'est le poulet teriyaki. Il est monstrueux. Et Franck, lui, c'est la lotte au curry. Donc, ouais, comme vous pouvez voir, on se fait plaisir. Et c'est important parce que finalement, c'est de la performance, parce que si on ne mange pas, on n'est pas en forme. Et si on n'est pas en forme, bah, le Maxi Edmond Rothschild, c'est un gros bateau. Il faut beaucoup d'énergie pour l'utiliser. Donc voilà. Cette victoire, c'est pas encore fini, donc soyons prudents. La parole à Franck.
Merci à tous. Dommage que vous ne soyez pas tous là à l'arrivée. Ça va être une super ambiance et puis on va partager ça avec vous. Merci pour le bateau qui a pu arriver jusqu'au bout grâce à vous. Donc à tout bientôt, on fêtera ça à Lorient. Salut. Pile poil pour l'arrivée, ils sont forts. Ça va loper après. On y est presque. La bouée là-bas. Vous voyez la bouée? La bouée orange. La bouée. Vous voyez la bouée orange? C'est là. On passe. On passe. C'est maintenant. 3, 2, 1. On l'a. Allez, on y va. Les cartes, attention. Ouais, toi, bravo. Ouais, c'est des moments super excitants, hein, de toute façon. Des arrivées comme ça, en vainqueur. Ah bah ouais, on est ravis d'être là. Écoute, c'est un endroit qu'on connaît un peu, qu'on adore. On est content du travail accompli là, avec Charles. Belle trajectoire, le bateau bien mené. C'est super, hein, il faut... Au contraire, en profiter. Depuis longtemps, on travaille sur ce projet, on a eu des déconvenues, on a eu des déceptions et c'est vrai que maintenant, depuis 2 ans, c'est quand même la récompense de tout le travail d'une équipe et vraiment, faut le saluer. Et vraiment, cette victoire, d'abord, je voudrais la dédier à Ariane et ses filles et puis j'ai une pensée vraiment toute particulière pour Benjamin de Rothschild qui nous a quittés en début d'année et vraiment cette victoire je leur dédie et puis ensuite évidemment à l'ensemble de l'équipe et je pense également au groupe qui nous a suivis et je pense que c'est important de fédérer sur des événements comme ça toute une dynamique et puis tout un travail finalement. Je trouve que ça s'est tellement bien passé, ça a été un long fleuve tranquille même si c'est l'attention de tous les instants. Et voilà, c'est facile mais du coup il faut quand même retenir que c'est facile parce que ça a été bien géré, bien préparé, bien routé. On arrive en forme, on a juste eu du stress effectivement, surtout moi hier, j'aime pas ça quand les autres viennent. Je suis plus nerveux que Franck là-dessus. Mais, moi je suis nerveux mais de l'intérieur. Ouais, il le montre moins, moi je lui montre.